Bonjour à tous, dans cet exercice, on considère 4 points ABCD alignés et on va comparer donc, euh, par exemple ici le vecteur AC avec le vecteur AB. Donc comme les points sont alignés, bien, il est clair que le AC et AB ont la même direction, qui est l'horizontale. Euh, donc pour aller de AC, je me déplace vers la droite, pour aller de A à B, je me déplace aussi vers la droite, donc ils ont aussi le même sens. Par contre, on voit bien que le vecteur AC correspond à 7 carreaux. Donc la longueur du vecteur AC, c'est 7 carreaux, alors que la longueur du vecteur AB, c'est 4 carreaux. Donc quand hein, je vais comparer ces deux vecteurs, alors ce qu'il est intéressant de, ce est intéressant de, de raisonner à, en faisant intervenir un vecteur petit i ici, qui correspond à un déplacement de 1 carreau vers la droite. Donc le vecteur i, ici, a une direction horizontale vers la droite, et sa longueur est égale à 1 carreau. Et alors je peux écrire tout simplement que le vecteur AC est égal à 7 fois le vecteur i. Pour aller de A à C, je fais 7 fois le déplacement un carreau vers la droite. 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 fois le déplacement décrit par le vecteur I. De même, pour le déplacement qui correspond, qui permet d'aller de A à B, donc le, le, le déplacement codé par le vecteur AB. Alors je vous rappelle qu'un vecteur contient trois informations, une direction, un sens et une longueur. Il permet de, 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 de conserver, euh, de donner les informations qui correspondent à un changement de euh, position. Donc pour aller de A à B, je dois me faire me déplacer de 4 carreaux vers la droite. Et donc euh, le vecteur AB, il dit tout simplement ça. Il dit que je, je veux, pour, si tu veux faire le déplacement qui correspond à ce vecteur AB, tu dois te déplacer de 4 carreaux vers la droite. Et ça, ça correspond à faire 4 fois le déplacement de 1 carreau vers la droite. Donc AB est égal à 4 fois... I. alors ce qui est intéressant de, de faire maintenant ici c'est dire que cette égalité là je peux diviser par 4 de chaque côté c'est équivalent à 1 quart donc je divise par 4 le vecteur AB et bien j'obtiens le vecteur I puisque 4 fois I divisé par 4 ça donnera I et donc dans l'égalité qu'il y a ici je peux très bien remplacer écrire 7 fois et remplacer petit i par un quart de AB et donc finalement, je peux écrire que le vecteur AC est égal à 7 fois 1 quart, c'est-à-dire 7 quarts de AB. Et le nombre que vous devez mettre ici, la bonne réponse, donc ça va être 7 sur 4, tout simplement. Alors faisons la même chose pour comparer les vecteurs CD et BA. Le vecteur CD, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 euh, carreaux vers la droite. Donc je peux écrire que CD est égal à 5 fois i, puisque i, c'est un carreau vers la droite. BA, le vecteur BA, pour aller de BA, cette fois, je vais me déplacer vers la gauche. Donc, il est intéressant de d'introduire le vecteur opposé au vecteur i, qui est le vecteur moins i. Alors, ces deux vecteurs i et moins i ont la même direction horizontale. Ils ont la même longueur, 1, hein, mais n'ont pas le même sens. D'accord 1, le vecteur i, je me déplace vers la droite. Le vecteur moins i, je me déplace vers la gauche. Et donc là, en réalité, BA, je fais 4 fois le vecteur moins i. D'accord Et ça, je peux aussi l'écrire moins 4 fois i. Tout simplement. Donc, ba, c'est moins 4 fois i. Et alors, bah, toujours pareil, je vais pouvoir diviser par 4 les deux membres de l'égalité ici, et ça, par moins 4 cette fois, et donc je vais pouvoir dire que moins un quart de ba est égal à i. D'accord Puisque si je divise par moins 4 ici, moins bah, 4 se simplifie, il ne me restera plus que i. Et si je divise par moins 4 ba, bah, ça fait bien moins un quart de ba. Et donc je vais pouvoir terminer l'égalité qu'à là et dire que cd c'est 5 fois le vecteur i. Donc c'est 5 fois le vecteur i, je peux l'écrire en fonction de ba. Petit i c'est moins un quart de ba. Donc je peux remplacer i par moins un quart de ba. Et donc je vois apparaître ici 5 fois moins 1 quart de ba que je peux écrire moins 5 quarts de ba. Puisque 5 fois moins 1 quart, ben ça fait, je multiplie donc les numérateurs par les numérateurs, 5 fois moins 1 ça fait moins 5, et 1 divisé, je peux écrire ici que 5 c'est 5 divisé par 1, et 1 fois 4 ça fait 4. Et donc moins 5 quart et ici j'écris moins 5 quart C'était la réponse attendue. Et donc, si je, si je compare les deux, euh, les deux vecteurs, eh bien CD et BA ont la même direction. Ils n'ont pas le même sens parce que le nombre qui est ici est négatif. Donc, quand le nombre qui permet de comparer les deux vecteurs est négatif, quand il, qui permet de comparer deux vecteurs de même direction, on parle de vecteurs collinéaires. Hein. C'est pour ça qu'ici il y a le mot collinéaire. En fait, tous les vecteurs qui sont là ont la même direction, c'est l'horizontale. Ils n'ont pas forcément le même sens. Et quand ils ont des sens opposés, eh bien, le nombre qui permet de les comparer est un nombre négatif. Et là, bah, la longueur de CD, c'est 5 fois 5 quarts la longueur de BA. Donc c'est un peu plus grand que BA. Je continue ici. Bah, là, je compare directement deux vecteurs BA et AB. Bah, pour aller de BA, c'est l'opposé C'est deux vecteurs qui ont même direction, même longueur. La longueur, c'est de BA, c'est la distance de BA pour les deux. Par contre, le sens est différent, hein, puisque là je vais de B vers A, donc là je vais de A vers B. Et donc ici, j'ai tout simplement. Allez, multiplié par moins 1, où on met tout simplement le moins, et vous savez qu'on n'est pas obligé de mettre le 1, ah, donc on fait moins AB. Donc BA c'est l'opposé de AB. Le vecteur BA euh, a pour euh, le vecteur BA et le vecteur AB sont opposés, donc BA est égal à moins AB. Donc euh, voilà, ça c'était pour le petit D. Pour le petit E, bah, allons-y, alors le vecteur DA, c'est combien de fois le vecteur I pour aller de D à je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreaux vers la gauche, attention. Donc, DA a le sens opposé au vecteur I, donc je dois mettre un signe, un nombre négatif, c'est moins 12 et pas 12, fois I. Donc, si je compare le vecteur DA et le vecteur I, ils ont la même direction, ils n'ont pas le même sens, c'est pour ça que j'ai un signe moins ici. Et évidemment, la longueur de DA, c'est 12 fois la longueur de 1 carreau. Alors, si maintenant j'écris la même chose pour CB. Donc pour aller de C à B, ben je fais moins 3 fois I cette fois. Donc le nombre que je devrais écrire ici, c'est moins 12 divisé par moins 3. Mais évidemment, les moins se simplifient. 12 divisé par 3, ça fait 4, donc c'est tout simplement 4. Et ici, je peux écrire que DA est égal à 4 fois CB. Et on est bien d'accord que pour aller de DA, je me déplace vers la gauche, horizontalement vers la gauche. Pour aller de C à B, je me déplace aussi horizontalement vers la gauche. Donc les deux vecteurs ont le même sens. C'est pour ça que le nombre 4 ici est positif. Par contre, à la distance de DAA, c'est 4 fois la distance de CAB. CAB, c'est 3. Et DAA, c'est 4 fois 3, c'est-à-dire 12 carreaux. Voilà, donc c'est relativement simple. Et alors je continue ici. BD et DA. Quand je vais de BAD, je me déplace vers la droite. Et je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Donc on peut écrire que BD... Est égal à 8 fois i. On est d'accord que b et d ont la même, les vecteurs bd et, et le vecteur i ont la même direction et aussi le même sens. Pour aller de b à d, je me déplace vers la droite. Et alors, au niveau de la longueur, la longueur du vecteur bd, c'est 8 fois un carreau. Donc, c'est 8 fois la longueur du vecteur i. Par contre, pour aller de d à, je vais me déplacer vers la gauche. Donc, quand je vais comparer à i, ça va être un nombre négatif qu'il va falloir que je donne. Et alors, combien de, de, de carreaux je, je, je parcours pour aller de D vers, vers A ben On sait, on a calculé ici, c'était 12. Hein, donc c'est moins 12. Ben D'ailleurs, on a déjà écrit que DA est égal à moins 12i. Hein, donc on a juste à le reprendre ici. Et donc, le nombre que je dois mettre ici, c'est 8 divisé par moins 12. Et alors, je peux simplifier ce nombre-là, évidemment, en divisant par 4 en haut et en bas. Ça fait moins 2-. Tirez, le signe moins, je peux le mettre au dénominateur devant la fraction ou alors au numérateur, ça ne change absolument rien. Donc ça fait moins 2 tiers. Donc BD, le vecteur BD est égal à moins 2 tiers fois le vecteur DA. Ces deux vecteurs ont la même direction, ils n'ont pas le même sens et ils, ils n'ont pas la même longueur. La longueur de BD est un peu plus petite que celle de DA. Et alors maintenant, le vecteur CC, ben c'est le vecteur nul. En fait, le vecteur CC c'est égal à 0 fois i. Hein, je ne me déplace pas, je reste sur place, donc euh, la longueur c'est 0. Et donc quand un vecteur n'a pas de longueur, ben, on, on, voilà, donc il n'a pas forcément de direction, mais en, de façon... Euh, voilà, On dit qu'un vecteur nul a toutes les directions. Donc ça c'est en réalité, on peut l'écrire autrement aussi, c'est le vecteur nul. Alors, le vecteur nul, hein, c'est un 0 avec une flèche. d'accord. CC est égal, à, Il ne faut pas écrire que le vecteur cc est égal à 0. Ici vous avez un vecteur le vecteur CC avec une flèche. Quand j'écris une flèche ici, je parle d'un vecteur, et ici, je parle d'un nombre. Deux choses, ce sont deux choses complètement différentes, de nature complètement différente. Donc quand je compare un vecteur et je veux dire que c'est le vecteur nul, je dois évidemment mettre une flèche au-dessus du 0 pour parler du vecteur. Ça, c'est le vecteur nul. D'accord Et alors, c'est égal évidemment à 0 fois le vecteur BA. Là, évidemment, hein, le nombre qui me permet de comparer ces deux vecteurs, ça, ce que je mets ici, c'est bien un nombre hein, qui me permet de comparer deux vecteurs qui sont collinéaires, qui ont la même direction. Parce qu'encore une fois, le vecteur CC, le vecteur CC, à n'importe quel, on va considérer qu'il a la direction de n'importe quel autre vecteur. Il est parallèle à n'importe quelle droite, à n'importe quelle flèche. C'est qu une, juste une convention, puisqu'en réalité. Le vecteur CC n'a pas de direction puisque c'est un point en fait. Hein. Enfin, c'est même pas un voilà. C'est un, un, un changement de position qui consiste qui consiste à rester sur place. Donc euh, tout simplement. Voilà, donc on a terminé le premier, la première partie de cet exercice. Donc maintenant, on va faire la deuxième partie. On nous demande de construire des points P, Q, R S et T, donc tel que alors, la première égalité qui permet de définir le point grand P, c'est que pour aller de D à P, on doit faire le même déplacement que celui qui permet d'aller de C à B. Alors. Pour aller de C à B, je fais trois carreaux vers la gauche. Donc pour aller de D à P, je dois faire aussi trois carreaux vers la gauche. Donc je pars de grand D, je fais trois carreaux vers la gauche et j'arrive ici au point grand P. Donc le point grand P se situe ici. Tout simplement. C'est tout simplement ça. Alors je vais changer de couleur pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Le point grand P est ici. Ça, c'est le point grand P. Alors ensuite. Donc ça, c'était le 1, donc on l'a on a fait, le petit a ici. Maintenant, petit b. Donc euh, là, je veux construire le point grand Q, tel que pour aller de Q à A, je dois faire le même déplacement que de B à A. Or, le problème, c'est que là, euh, je ne peux pas me servir du, nom, du, 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 du point grand Q comme euh, le point de départ, puisque je ne sais pas où il se trouve. Donc j'ai plutôt à non pas euh, considérer le vecteur QA, mais le vecteur AQ. Comme ça, je partirai de grand A pour aller... Sur le, sur le point au point grand Q. Et alors là, évidemment, si je change les lettres au niveau de ce vecteur là, il faut que je les change également à ce niveau-là. Donc ici, il faut que j'écrive le vecteur opposé au vecteur B c'est le vecteur AB. Donc je, je, je considère l'égalité avec les vecteurs opposés. Et donc maintenant pour aller de grand A au point grand Q, ben, il faut que je fasse la même chose que de A à B. Et donc du coup le point grand Q est égal au point grand B. D'accord. Je continue. Petit c. Donc j'ai RA plus RB égal au vecteur nul. Alors là, le point que je veux construire, il est aussi mal placé. C'est un point d'arrivée. Et ensuite, en plus de ça, il apparaît à deux sur deux vecteurs. Alors, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est, c'est un peu un peu plus délicat, mais ça se fait aussi. C'est considérer donc le vecteur RA. Plus, alors plutôt que d'écrire AB ici, je vais pouvoir dire que pour aller de R à B, pour aller de R à B je peux passer par A. Donc le vecteur RB, c'est le vecteur RA plus AB. Hein, j'ai juste donc, euh, si je change de couleur ici, j'ai juste écrit que RB, c'est RA plus AB. Et ça, c'est égal à 0. Donc je continue avec le rouge, voilà. Ça, c'est égal à 0. Au vecteur nul, pardon. Et quel est l'intérêt de faire ça Parce que maintenant, ben maintenant, je vais pouvoir écrire que RA plus RA, c'est 2 fois RA. Hein, deux. Donc, je vais pouvoir écrire que 2 RA plus AB égal au vecteur nul. Et alors, ben, je vais pouvoir mettre AB de l'autre côté. Donc, j'enlève AB de chaque côté. Ça me donne. Donc, euh, je vais continuer à écrire ici. Ça me donne que 2 fois le déplacement de RA est égal à. Moins AB. Donc j'enlève AB de chaque côté. Hein. Donc ça fait moins AB ici. Et alors évidemment, j'ai un 2 ici, je vais pouvoir diviser par 2 de chaque côté. Et en plus, je vais de R à, de R à alors qu'il faut des R, point de départ, je ne sais pas où il se trouve, donc il vaut mieux que je mette A comme point de départ. Donc je vais pouvoir écrire que AR est égal, alors je divise par 2 hein, pour ne plus avoir le 2 ici, 1 demi. Alors, comme j'ai pris le vecteur AR à la place de RF, où je prenne le vecteur opposé au vecteur moins AB. Et bien donc, le vecteur opposé à moins AB, c'est tout simplement AB. Le moins disparaît. Et donc, pour aller de A à R, je fais la moitié du déplacement de A à B. Donc, ça va me donner quoi, ça Pour aller de A à R, je fais la moitié du déplacement de A à B. C'est-à-dire que le point grand R se trouve au milieu ici de A et B. Et euh, j'ai oublié de dessiner le point grand Q. Le point grand Q se trouve au même endroit que B. Le, vecteur, le point B est égal au point grand Q. Ensuite, j'en suis au petit D. Donc on veut construire le point grand S tel que défini par cette relation vectorielle en réalité. Hein. Alors ben, je vais pouvoir écrire que 6 fois grand SA. Donc j'ajoute le vecteur AD de chaque côté. Donc moins AD plus AD, ben, ça va disparaître. Et il va apparaître. AD de ce côté-là, c'est une manipulation d'équations, c'est comme avec les nombres finalement, ça ne change pas grand-chose. Hein. Euh, et alors j'ai 6 fois sa. Donc euh, je vais diviser par 6 pour avoir plus que SA, mais je veux je vais en, là encore, hein, il est plus intéressant d'avoir grand S à l'arrivée et pas au départ. Donc euh, je divise par 6, mais je prends l'opposé du vecteur AD, c'est-à-dire le vecteur DA. Et donc pour aller de A à S, je fais un sixième du vecteur dA. Ah ben Allons-y. Hein. Donc, pour aller de A à S, je fais un sixième du vecteur dA. Alors, le vecteur dA, rappelez-vous, c'est 12 carreaux vers l'A. Alors, pour aller de... Donc, ça fait 6 ça égale AD. Donc, ça fait bien AS égale un sixième de euh, DA et donc euh, pour les 2A je fais un sixième de DA et donc je vais me retrouver un point qui est donc euh, au, qui est en dehors de euh, c'est étonnant un sixième de DA et on sait que on peut l'exprimer avec petit i hein, ce sera encore plus simple donc DA c'est euh, DA c'est 12 fois c'est moins 12 fois i. Donc ça fait un sixième fois moins 12 fois i. Donc ça fait moins 2i. Donc on est bien d'accord. Moins 2i, ça correspond à un déplacement de 2 carreaux. Et comme j'ai un signe moins ici, c'est non pas vers la droite, mais vers la euh, gauche. Donc euh, le point grand S se situerait. Il faudrait prolonger ici de deux carreaux et le point grand S serait ici ensuite dernier, dernier exercice Ta plus 3 BC égale le vecteur Ta plus 3 fois le vecteur BC égale le vecteur nul et bien là encore je vais pouvoir écrire que le vecteur Ta donc j'enlève 3 fois BC de chaque côté donc ici il disparaît et ici donc j'obtiens moins 3 BC j'enlève 3 fois le vecteur BC de chaque côté. Et là encore, ce qui m'intéresse, c'est non pas le vecteur TA, mais plutôt le vecteur AT, puisque je dois construire le point grand T, donc je ne peux pas partir du point grand T pour, euh, bah pour le trouver. Je partirai du point grand A et je irai vers le, le point grand T en suivant l'opposé de ce déplacement-là, c'est-à-dire trois fois BC. Donc pour aller de A à T, je fais trois fois le déplacement de BAC. Donc pour aller de A à T, trois fois le déplacement de a ab donc c'est 3 fois AB, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et je trouve que grand D égale grand T. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Oui, donc il y a une petite erreur dans l'énoncé petit b ici. En fait, ce qu'on vous demandait pour le point grand Q, c'est qu'il vérifie cette relation ici. QA égale moins 3 cinquièmes de CD. Donc je vais plutôt calculer le vecteur AQ pour partir de grand A que je connais. Et donc AQ c'est égal à 3 cinquièmes de CD. D'accord Et alors 3 cinquièmes de CD ça va donner quoi Le vecteur CD, si je le reprends ici, pour aller de C à D, je fais 1, 2, 3, 4, 5 fois le vecteur I. Donc je peux dire que CD c'est égal à 5 fois le vecteur I. Donc, ça, en fait, pour aller de A à Q, il faut que je fasse 3 cinquièmes de 5 fois le vecteur petit i. Et donc, vous voyez, les 5 se simplifient ici. Et ça correspond à 3 fois le vecteur i. Donc, pour aller de A à grand Q, il faut que je déplace de 3 carreaux vers la droite. Et donc, pour aller de A à Q, il faut que je déplace de 3 carreaux vers la droite. Donc, en réalité, le point grand A se trouve ici. Le point grand Q, pardon, se trouve ici. Pour aller de a à q, je fais 3 fois le vecteur petit i. Voilà, c'était une petite erreur due à un énoncé mal recopié. Je vous remercie de votre attention.